Merci. Thank you. Cette attente, maintenant depuis 2013, elle a lieu depuis le Canada, à Sherbrooke. Since 2013, depuis l'année passée, we have vous avez passé le test de citoyenneté en français. You have votre père est considéré dans plusieurs villes comme citoyen d'honneur. Vous avez écrit cette lettre. Father's considered a hero in many countries of the world. You made a video and you showed it to the Canadian Prime Minister who received you. And can you tell us about this meeting that you had with the Prime Minister? C'était vraiment. Oui, ça marche. C'est. La rencontre était rapide. We had a very quick meeting. À chaque fois, c'était la même chose. It was always the same thing. On travaille, mais c'est on essaye. We said we work and we'll try. À chaque fois, on a toujours les mêmes réponses. And we always got the same answers. La rencontre, c'était pas vraiment. Au début, avant d'y aller, c'était vraiment. So before we went, on avait espoir que ça allait peut-être changer des choses. That it would change something. We were very enthusiastic. Et à la fin, c'était. But at the end, it was like all the other meetings Pourquoi we had had. Pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de témoigner Why ensemble? Why today have you decided to come together Parce que to c'est give comme an account of the family? Ça fait vraiment longtemps qu'il est comme Because ça fait presque 7 ans. It's puis been on fait des choses depuis le début, puis on essaie, puis on essaie, puis comme ça marche pas. Puis il y a presque fini sa sentence, puis comme il y a rien qui bouge, fait qu'on s'est dit que si on vient, on parle avec maman, puis tout, ça va peut-être changer quelque chose. We decided that if we all got together, depuis le début de l'incarcération de votre mari, son relâche, vous parlez, vous témoignez, et vous aviez fait une promesse à leur père de ne pas donner toutes les informations concernant son incarcération. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous dites bon, maintenant, je dois donner et je dois expliquer ce qu'il en est à mes enfants? Well, now I really have to explain to them. I'm going to tell the children. Mes enfants, ils sont portés, son père, My children, un quart enfant, c'est Najwa, il a 8 ans, children, il a 17 ans. Father, Myriam, 12 joy. Ans et demi. Myriam is 12 and Chaque a half. Fois, quand on a quitté l'Arabie Saoudite, ils sont très jeunes. When we left je ne veux pas expliquer qu'est-ce qui se passe avec and la vie. C'est quelque chose très difficile pour mes enfants. It was very difficult for my children. Prennent, puis, quand l'année 2015, Raif a reçu les 50 Côte Fouet et tout le Québec, tout Sherbrooke, à l'école, sur les rues, et tout le monde, ils savent qu'est-ce qui se passe avec Raif, à part mes enfants. Oui, ça sortait dans les journaux. C'est à ce moment-là que l'école vous a contacté et vous a dit qu'il faudrait leur dire la vérité pour qu'ils puissent comprendre. Oui, parce que moi, je fais partie des enfants et savoir qu'est-ce qui se passe avec son père à part quelqu'un, si comme ses amis ou quelqu'un expliquait pas bien, puis because if somebody else, a friend or someone else, explained to them and it wasn't explained well, it would be good. Ils sont envoyés les bicyclettes ou les professeurs des mes enfants pour expliquer teachers or ce jour-là en 2015 que vous apprenez so it was that day in 2015 that you found out vous, your father was whipped enfant, and that was a shock for you it was a turning point in your life de l'école pour essayer even de vous encadrer the school de vous entourer tried to help you que vous to provide support vous avez ressenti alors je vais juste préciser what vos âges did you understand at the time I'd like to point out your age you were 11, the youngest of you, and you were about to be 16, and you were 14. So you had spent a lot of your life without your father, and then you heard this. What impact did this have on you? My parents always said to us when my father left that he was gone for work, and I thought he was going to join us once his work was over. And then the day that my mother told us that he wasn't actually at work, he was in prison, it was a shock for us. Even if there was a psychologist with us and our teachers with us, c'était impossible de se retenir, notre tristesse. It was very hard for us
et not to, le contact to show avec how votre sad père, we felt. Il existe malgré cela. But comment you have some contact with your father, avec lui, nonetheless. How do you manage to communicate with une him? Une fois ou deux fois par semaine, ça dépend. Il Once nous appelle or twice a week, he calls us from a telephone box there. On a cinq minutes. We have five minutes all together to talk to him. Dire allô, puis comment ça va, puis ask him how he is. Puis lui nous pose des questions à propos de l'école. And he talks to us about school. Alors, une fois qu'on a cette information, les choses vont évoluer. Maintenant, on est au début de l'année 2019. Let's move forward to 2019. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous impliquer aux côtés de votre mère pour venir parler? Pushed you to work alongside of your mother and to speak Comme about what's happening. Comme Najwa l'a dit tantôt, well, as c'est has parce just been said on a vu before, que les choses changeaient pas. We saw that nothing was moving. Mois, we saw that our mother was constantly traveling every month, one or two trips Donc, a month, but nothing dit, was happening. So fois, que we si nous qui, decided perhaps qui de, it's up to us. Le Maybe we should try to do the same work that our mother is doing, and then things will change. Myriam, do you also participate in the demonstrations and events alongside your brother and sister? Yes. Que vous avez rencontrés qui vous ont impressionné. And what people that you've met have actually had an impact on you? Are there well-known people who have given you hope? En général. Or people in general? Il y a des personnalités qui vous soutiennent. On voit dans la presse. Well, we see that in the press there are eminent figures who are supporting you and that you've met. Vraiment? Et pour vous? Moi, c'était un acteur américain. C'était Mark Pellegrino. Là. Mark Pellegrino. On est allé souper avec lui, puis we were in Italy together. Pour sa fête, on est allé souper dans un restaurant à Montréal. Dinner together on a parlé, in a restaurant. Puis, on est devenus amis, puis we became friends. Moi, mon rêve, c'est de devenir actrice un jour. And now I want to become an actress, like her. Il y a quelque chose de très important. On le voit aujourd'hui. Now, vous êtes jeune, important. Vous êtes des adolescents. You're les young, adolescents you're du monde entier passent people, beaucoup de temps, et souvent, de la part des parents, trop de temps sur les réseaux sociaux et sur Internet. Quel est votre rapport avec Internet, en sachant so que c'est finalement ce support qui a condamné votre père? Knowing that it's because nous, of this that your father was sentenced. Well, our mother never said, stop, don't spend so much time on Internet. Because she is on Instagram and Twitter constantly. So, it's fun. Est-ce que vous parlez de votre père? Do you talk about your father on Internet? Do you look for information about him on Internet? Do you look for pictures or you're interested in what's happening on Internet? Ben moi je vais souvent faire j'allais souvent faire des recherches sur do papa et maman research mais about my avant, mother my avant father ils annoncent même even que before papa était en prison they j'avais told quand même des doutes parce que j'avais déjà vu some doubts des entrevues que papa matter, avait faites puis que maman avait fait aussi avec interviews that my father and my mother had puis ces entrevues-là, je les avais vues, mais je n'ai jamais demandé à maman. I'd seen them, ça, but I'd never asked my mother why. C'était aussi comme je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. I didn't know what was happening. J'en parlais pas, mais I didn't talk quand about ils nous l'ont it. Dit, j'avais quand même des doutes. But when they told me, well, vous, it was confirmation of my doubts. Cette annonce sur votre père. Est-ce que vous aviez aussi des doutes? Vous aviez été regardé sur Internet? Do you have doubts also? Moi, have you also looked at Internet? Yes, I had my own doubts because when I carried out on cherchait ensemble des fois, puis comme research on Internet, pas mal parce qu'il y a aussi à l'école. We had some doubts. Les profs, ils sont people comme, were talking about it at school. Quand on commence à parler de notre père, il arrête. The teachers. C'est comme on se doutait. Mais on n'était pas sûr parce que on allait avec Amnesty, on faisait plein d'affaires pour, mais on savait pas pourquoi. We mais genre maman elle worked disait, a lot oh, with Amnesty and I didn't know travail. Why my mais on s'en doutait my mother always said well it's for work. On était vraiment pas sûr. Working with them, we weren't quand sure. Quand ils nous l'ont annoncé, moi je le savais. But when we were told, I realized I knew. Confirmer ce qu'on savait it déjà. Just
was a confirmation alors, of what on we knew. Le voit, c'est difficile de vivre sans toutes ces informations. Seen it's difficult mais to parfois, live without les rencontres peuvent aboutir à but quelque chose de concret et des rencontres de hasard. Meetings on peut dire que c'est le hasard et je tenais concrete, à ce qu'on puisse parler but de cette histoire aujourd'hui parce que c'est random, le hasard qui nous a that fait today because it's Raif, un hasard complètement random fou, on peut le dire d'une certaine façon. Act, puisque c'est à cause d'un faux numéro que vous l'avez rencontré. That brought you here together because le micro très it was because of a wrong number. Raif, il appelle. That Raif had the problem. Raif called. C'est pas Raif, c'est l'ami de Raif. Not even Raif, it was a friend of Raif's who called, made a phone call. Un jour, j'ai trouvé le numéro et and I found the number and I called. C'était Raif. J'ai dit, c'est qui? Elle m'appelle. Elle dit. And I said, who's called? Je ne sais pas. J'ai dit, ok. He said, I don't know. Grave. I said, well, it doesn't matter. Raccroché le téléphone and et I hung up. And Raif. Il répète jusqu'à minuit. J'ai parlé avec and lui. And it continued until midnight. Après un mois, il vient pour demander pour le mariage. And they asked about marriage. Romeo et Juliette. And it was he talked about marriage. It was really a case of Romeo and Juliet. Tout ça, ça arrive par hasard. That's how we met, he and I. Un coup de téléphone. Et ce coup de téléphone, so things can change with one telephone call. Il a entendu votre voix, il a été séduit. Ça a and it was just when he called by mistake and he heard your voice enfants, that un coup de téléphone, he was enchanted. And you children, do you think that a phone call can mobilize people? Can come from students, for example, the International School of Geneva and Amnesty, decided to work together to write a letter. De cette lettre, de cette demande. What do you think that this letter will achieve? Perad. Ben, Perad. Tout d'abord, merci. Thank you, first of all. C'est vraiment... Ça donne aussi de l'espoir, puis nous dire que... It gives us hope. Il n'y a pas juste... To think that... Les personnes... personnes concernées les politiciens les diplomates not only mais aussi diplomates des, or politicians who are involved des gens de notre âge students the kids sont, our age qui nous soutiennent pour support qui us nous, qui défendent cette cause who are defending puis, this cause moi je trouve que c'est très ça donne de l'espoir it gives un us hope qui est partagé aujourd'hui alors si vous and voulez this hope vous mobiliser ils sont à l'extérieur and de la salle à la droite en sortant se battent aussi pour les droits des femmes quelque chose qui est très important pour you votre mari aussi et donc si vous voulez leur poser des questions the rights of women as well and if you want to participate and write a letter je vous propose avec la phrase qui était vraiment importante pour votre père et qu'il est toujours. And I think the, what you said about that your father said is live and let live. And that's a very important phrase that he uttered. I think they deserve a round of applause.